Paris, banlieue, Antifa. Les antifas contre l'humanité. Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime contre l'humanité. Ma dernière semaine au lycée, ma dernière semaine à Louis-le-Grand. Les gars, aujourd'hui, on est la dernière semaine où je suis au lycée. Là, lundi prochain, c'est bon, je suis en vacances. Enfin, non, je suis en préparation du bac des philos. Je ne vais plus au lycée, c'est fini. L'année prochaine, c'est l'université. Du coup, c'est une semaine assez spéciale quand même. Et donc, évidemment, il fallait que je la vlogue. Au début, je voulais vlogger juste le dernier jour. Mais le dernier jour, c'est un samedi. Donc, il se passe un peu rien le samedi. Donc, je vais faire une petite compile de beaucoup de moments de ma dernière semaine au lycée à Louis-le-Grand. On n'est même pas lundi d'ailleurs, ce vlog commence très mal. J'ai oublié de vlogger hier. Enfin, hier j'ai eu trop de problèmes. Genre, j'étais en retard au lycée. Il y avait le transfert de chez mon père à chez ma mère. J'avais perdu mes clés. Bref, c'était un peu la cata. Donc, je commence mon vlog dernière semaine au lycée un mardi. Mais t'inquiète, c'est pas grave. On garde les habitudes de mardi, aller manger devant le Panthéon de pizza de Carrefour parce que les prépas squattent la cantine. Magnifique pizza Carrefour qui a coûté 2,50€. Alors, vous en pensez quoi de cette dernière semaine? C'est fantastique, j'adore. C'est fantastique. C'est nostalgique. Ouais, trop. Je te jure qu'il y a des larmes. Non, en fait, non, c'est triste. Mais en vrai, pour l'instant, j'ai pas réalisé. Mais ça va te manquer. Moi, j'ai pas encore manqué. Je suis pas encore nostalgique pour ma part. Mais surtout, la personne qui va le plus me manquer, c'est Basma. C'est pas Chloé. Pour moi, c'est Chloé. Regardez, Alice, elle est trop sérieuse. Elle révise déjà. Elle révise déjà la philo alors que c'est dans une semaine, c'est dans archi longtemps, on aggrave le temps. Quelqu'un veut s'allonger avec moi là parce que je me sens seule. Attends, moi je m'allonge. Mettez vos têtes. Mais une étoile. C'est un plan très solitaire là. Mais on voit pas. Attendez, faut que je mette ma tête sur quelqu'un parce que je veux pas mettre ma tête par terre. Je vois rien. Moi aussi, je sais pas du tout si c'est un plan stylé. Je crois. J'espère que c'est un plan stylé. Sois happy. Pour les caméras. Mais il est trop beau le ciel. Je viens de rentrer. J'ai mon dernier cours de sport aujourd'hui, là, tout à l'heure. Je pense que c'était aussi le dernier cours de sport de ma vie.
On a fait une balle aux prisonniers. Bon, j'ai passé le cours dans le camp des prisonniers, mais sinon, c'était fun. Là, demain matin, je passe mes oraux blancs de maths et de physique-chimie. Donc, je pense que je vais les réviser et je vais vous laisser du coup pour aujourd'hui. Yo, on est mercredi matin. J'étais en train de réfléchir parce qu'il me reste assez sur ma carte de cantine pour manger encore deux repas. Donc de base, je devrais laisser pour jeudi et vendredi. Mais là, je me demande un peu si j'irai pas manger à la cantine aujourd'hui parce que mercredi, il y a toujours des frites. Et du coup, bah ça va être mes dernières frites de l'huile grand. Donc je pense que je vais aller à la cantine aujourd'hui. Franchement, il y a intérêt à ce qu'ils mettent des frites. Je sais pas quoi dire. Bienvenue au lycée Louis le Grand. Chloé, élève depuis l'année de seconde. Non mais... Chloé, parle à ta commune. Non mais là, je pense que je vais mettre de la musique et il y aura rien. Non mais qu'est-ce que tu m'as fait mes narines? Les gars, je suis trop con. La journée commence super bien. Il est 8h22 alors que j'ai cours à 8h. De base, là, j'ai 2 heures de philo de 8h à 10h. J'hésite un peu à y aller puisque de toute façon, je suis en retard. Le temps que j'arrive là, il sera genre 9h30. J'ai un peu la flemme de venir pour une demi-heure. Donc je pense que je vais me préparer et tout et je vais arriver pour mon cours d'après. Je vais arriver à 10h pour les maths. Yay! Ça commence trop bien cette journée. Même la dernière semaine de cours, j'arrive à être en retard. Genre, c'est fou ça, non? Je suis en train de tester genre ce produit CeraVe là qu'on voit un peu partout sur TikTok. Apparemment ça te ferait une peau de ouf. Bon, ça fait une semaine que j'ai essayé, j'ai l'impression que ma peau est toujours pareille. Ça tente que la magie opère. Sinon aujourd'hui ça va être mon dernier cours de maths de l'année. Je sais pas si j'ai hâte et en même temps j'ai pas hâte. Genre clairement cette année de terminale j'ai pas du tout aimé les maths donc je suis contente d'en finir. Mais ça va être un peu mon dernier vrai cours de maths de l'année parce que l'année prochaine en médecine on fait pas trop de maths. Ça va me faire très bizarre. Au lycée en tout cas genre les maths c'était vraiment une matière qui me prenait genre tellement de temps. C'est une grosse part dans ma vie vous voyez les maths donc là ça va être un peu un adieu aux maths. Il y a ma grand-mère, elle m'a ramené ce petit haut qu'elle a acheté à la brocante. Ma grand-mère, elle adore les brocantes. À chaque fois, elle y va, elle me ramène plein de trucs. Mais je sais pas si j'aime bien. On va essayer de le styliser parce que, genre, juste comme ça, ça me dit un peu rien. En vrai, je trouve que porter, ça rend grave bien. Ça va hyper bien avec mes colliers, là. C'est les mêmes qu'hier, hein, d'ailleurs. Je les ai pas enlevés. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait jamais dormir avec les colliers la nuit parce que tu pouvais t'étouffer. Oups, j'ai peut-être frôlé la mort hier. Je sais pas quoi mettre en bas. J'aimerais bien mettre une jupe. Bon, attendez, je vais essayer. Je vous montre. C'est cette mini jupe dont je parlais. Bon, ça ressort pas trop bien en caméra parce que mon miroir il est un peu tout dégueulasse. Mais vous voyez, c'est trop cute. Bon, il est hyper court donc j'ai mis genre un petit short cycliste en bas. Mais j'aime trop le look. Qu'est-ce que vous en dites? Je me suis fait un petit trait de liner bleu là. Bon, on le voit presque pas. Et j'ai trouvé une veste qui rend trop trop bien avec la tenue. Blue, blue, blue. Je suis full blue aujourd'hui. Je profite de la pause pour errer un peu dans le lycée quand même, pour admirer les bâtiments et tout, parce que c'est quand même un beau bâtiment quoi. Par contre il fait trop chaud, j'aurais trop dû prendre un éventail, je suis trop bête, j'en ai plein chez moi en plus, c'est la canicule, mais je vois pas comment faire pour le bac de philo, franchement, heureusement qu'ils font pas ce matin. Hein. J'aimerais bien vous montrer la bibliothèque générale de Lille-le-Grand, parce que genre, elle a trop une vibe de Poudlard, genre c'est trop beau. Mais je sais pas s'il y a des gens, donc j'ai un peu peur de filmer. Mais il faut vraiment que je vous la montre. Oh non! Bon bah, il y a des épreuves en cours, du coup je peux pas vous montrer. Je vais essayer de vous mettre des photos. Chino, t'as pensé quoi de cette année scolaire? C'est bien. Tu t'es triste de partir? Je suis mitigée. C'était trop bien comme expérience au Lille-le-Grand. Du coup, je suis un peu triste de partir, mais attends, je suis prise là où je voulais être prise. Alors du coup, je suis contente. Il est beau le soleil là, ça fait un beau plan.
Enfin, je vois rien, mais j'ai l'impression que ça fait un peu stylé. Genre, je vois bien une photo Insta là, comme ça en mode. Il est 20h30, je viens de rentrer du lycée parce que j'ai traîné un peu. J'ai fini à 18h30 et c'est trop bien, il fait encore jour, c'est incroyable. C'est vraiment un des pires sentiments quand tu sors du lycée et qu'il fait tout noir alors qu'il est que 18h30. Là il fait tout beau, on dirait qu'il est 14h, c'est trop bien. Par contre il fait tellement chaud, la chaleur, j'ai l'impression que ça te prend tellement d'énergie. À midi j'étais déjà KO, j'avais l'impression d'avoir fait genre 8 heures de cours alors que j'en ai eu que 2. J'ai vu, il y avait plein de meufs dans le lycée, elles avaient des mini ventilateurs. J'ai trop envie d'en m'acheter un comme ça, il faut que j'en achète un. Bref, je vous retrouve demain. C'est fini pour aujourd'hui, je pense, le vlog. Bisous! Je suis en train de réfléchir à où je vais manger ce midi. Parce que comme du coup, mercredi, j'ai dépensé mon argent dans ma carte de cantine. Là, il me reste presque... il me reste genre 75 centimes. Donc je peux pas manger à la cantine. Donc je sais pas, il faut que je sorte manger. En fait, le Grand, c'est dans le quartier là, dans ce quartier étudiant. Donc en vrai, il y a plein de trucs où manger et tout. Mais comme moi, je suis tellement une personne qui ne sort jamais manger. Je mange tout le temps à la cantine. Quand je sors, je vais toujours au même endroit. Soit à Carrefour, parce que c'est pas cher. Soit un truc de crêpe derrière Henri IV dans la rue Mouffetard. D'ailleurs Henri IV ils ont trop de la chance, ils sont juste devant la rue où il y a tous les trucs de bouffe pas cher. Nous on doit marcher. Sinon il y a un Pokéball près du Luco, j'y suis allée genre 2 fois. Ils font des gaufres, des wrap gaufres, c'est trop bon. Je pense que je vais peut-être aller manger là-bas. Comme ça je pourrais vous montrer les wrap gaufres. Outfit of the day. J'ai mis la même petite jupe qu'hier parce que je suis trop fan de cette jupe et je l'ai pas assez mis cette année, donc je veux trop prendre une photo avec dans la cour du lycée. Avec un petit haut blanc et un petit pull, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc. Avec mes chaussures à talons. Cette fois j'oublie pas de prendre mon énorme gourde et mon éventail pour survivre au soleil. Parce qu'en plus je crois que mon prof de philo il veut faire cours genre aujourd'hui et demain au Luco. Donc il faut que j'amène mon kit de survie pour le soleil. Bon, au final en fait on n'a pas du tout fait cours au Luxembourg, il nous a juste amené dehors sous le soleil où la moitié de la classe a une insolation je pense. Maintenant là on va aller manger au Luxembourg, du coup on va aller prendre la gaufre wrap que Marine n'a jamais goûté, donc je vais lui faire goûter. Finalement j'avais déjà goûté. Ah bon? Mais c'est juste que oui, mais c'est, t'avais juste, tu l'as trop mal décrit. Oh oui, t'as dit que c'était un Pokéball dans un waffle alors que bah, c'est un sandwich. Bon c'est bon quand même, on passe par un genre, t'as jamais goûté. J'adore, c'est incroyable, c'est le meilleur waffle que j'ai mangé de toute ma vie. Faut dire que tu m'as chialé. Waouh. Oh non, t'as tout même sorti. La moitié est tombée, ouais. Bon c'est pas grave. Regardez, c'est genre une gaufre, mais c'est un wrap aussi en même temps. Regardez le résultat de 2 heures de philo ce matin. Ça s'annonce très bien pour le bac de philo la semaine prochaine, je pense. C'est bon, genre je commence un peu à prendre conscience que genre c'est la fin, genre c'est ma dernière semaine, c'est mon dernier vendredi. Demain samedi c'est mon dernier jour, genre je commence petit à petit à l'assimiler parce qu'au début de la semaine j'étais là en mode yo, mais là genre ça commence à me faire quelque chose. Juste par exemple aujourd'hui quand j'ai dit au revoir à mes potes en partant, ça a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. D'habitude tu dis ciao et voilà, chacun part de son côté. Là on a pris énormément de temps à partir, enfin c'était trop bizarre. Alors que je les revois demain, hein, mais c'est juste, je sais pas, j'ai l'impression que je vais plus jamais les revoir. En vrai moi j'ai de la chance parce que beaucoup de mes amis vont en passe comme moi à l'UP, mais après il y en a aussi qui prennent des chemins différents, même si évidemment l'année prochaine on va essayer de continuer de se voir. Ça, bah évidemment ça va pas être la même chose et je sais pas, ça me rend un peu... Je suis un peu triste quand même que ce soit la fin. Non, en vrai, je suis contente de quitter le lycée parce qu'en soi, j'ai vécu 3 années assez pleines, assez riches. Donc je suis contente, même soulagée presque, de quitter le lycée. Mais c'est vrai que ça fait un sentiment un peu chelou. Et là, ça commence à me frapper en pleine figure. Donc je sais pas, c'est un sentiment un peu doux, amer. Je sais pas comment expliquer. Je suis contente, mais je suis triste. Enfin, je sais pas, je suis un peu triste. Je suis plus contente que triste, mais je suis un peu triste quand même. Ah là là, j'explique tellement bien les choses. Hello, c'est bon, on est le dernier jour, on est samedi.
mon dernier jour à Lulegrand. Oh my god. J'ai retrouvé un haut qu'on m'avait offert genre il y a très très longtemps. Genre c'est un truc chelou comme ça avec des ficelles. Mais j'ai jamais essayé parce que j'ai jamais su comment mettre. Genre ça a l'air trop galère. Bon, on est là déjà et après je sais pas quoi faire avec les ficelles. Je sais même pas à quoi ça s'est ressemblé, genre j'ai pas de modèle. Faire ça. One eternity later. Eh, hey, je pense qu'on est bon. Genre, c'est... ça m'a l'air pas mal là. J'ai juste peur que ça s'enlève au milieu du pique-nique. Ah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment cours. On va faire un pique-nique au jardin du Luxembourg. La prof d'histoire géo, elle a dit oui pour faire un pique-nique pendant son cours. En fait, début mai, il y a ma prof de physique chimie qui a eu un accident. Et donc, j'ai une remplaçante depuis mai jusqu'à maintenant là. Et on n'a jamais revu ma prof d'avant. Et là, elle va revenir pour le pique-nique. Donc, je suis trop contente parce que je l'aime trop cette prof. Donc, on va pouvoir lui dire adieu et tout. Je me mets dans la salle de bain pour vous montrer mon outfit parce que dehors la luminosité est un peu chelou. Des petites boucles d'oreilles arc-en-ciel. J'ai ressorti mon petit chapeau de grand-mère. Tout le monde me dit que c'est un truc de grand-mère ça, mais moi j'aime trop. Je trouve que ça fait un peu un style. Une petite ceinture rose. Et voilà mon outfit du jour. Je me suis remis du vernis d'ailleurs aussi parce que mes ongles étaient dégueulasses depuis une semaine. Partie du pique-nique de la classe. L'année est officiellement finie, on n'a plus cours. Là on va passer à la friperie genre près du lycée parce que ça fait genre un an qu'elle a ouvert. Je crois que c'est un kilo shop et j'y suis jamais allée. Donc je suis un peu curieuse, je veux savoir il y a quoi dedans. Hello, c'est bon, c'est fini, je suis de retour chez moi. Ça va, je vous montre le sweat que j'ai acheté au final à la fripe. J'ai vu plein de trucs qui étaient trop beaux, mais ils étaient beaucoup trop chers pour ce que c'était, donc au final j'ai pris que ça. Ça m'a coûté 16 euros, je sais pas si je me suis fait arnaquer, mais dans ma tête un sweat c'est au moins 30 euros, donc je pense que ça va. J'ai pas fait une mauvaise affaire non plus. Je voulais trop un sweat un peu en mode robe. Il est ultra long. Voilà, je suis happy de mon achat. J'ai déjà fait mon petit discours tristouné hier, donc je veux pas trop vous saouler plus. Mais c'est vrai que j'avais un peu envie de pleurer à la fin, parce que c'est trop triste. C'est la fin du lycée. En vrai, genre le bâtiment, lui au grand en soi, ça va pas trop me manquer. Genre, c'est bon, j'ai fait plein de vlogs. Au pire, si je suis nostalgique du bâtiment, j'ai encore plein de photos, etc. Mais c'est les gens, c'est la période, je sais pas, le lycée c'est quand même, c'est la dernière période qu'on vit en étant pas adulte. L'année prochaine, quand j'irai à l'université, on sera tous entre adultes, il faudra être mature, etc. Alors que là c'est un peu genre, on est encore dans l'âge de l'insouciance, etc. L'année prochaine ça va vraiment être un autre chapitre de notre vie, donc c'est triste. Au début de l'année je trouvais cette année tellement longue, j'étais en mode ça va jamais finir, mais maintenant je trouve qu'elle s'est passée tellement vite. Le bac, Parcoursup, etc. Et maintenant tout le monde qui part dans des directions différentes. C'est très triste de se dire que c'est bon, c'est fini. Je sais pas si je vais réussir à monter ce vlog, je sais pas il sortira quand. Je sais que je vais être trop triste en montant ce vlog, je sais déjà. Déjà je suis trop triste de finir cette vidéo, parce que finir cette vidéo, ça veut dire que c'est bon. C'est mon dernier vlog au lycée, c'est mon dernier vlog à Lulegrand. Voilà quoi. Je vais quand même revenir mercredi pour le bac de philo. Et je reviendrai l'année prochaine pour la remise des diplômes, enfin la remise du bac. Et pour prendre mon yearbook. Mais bon, c'était vraiment aujourd'hui the end. La fin, la vraie fin. Si vous êtes comme moi,
pleurons ensemble. Je sais pas si vous êtes triste, vous dites-moi si vous êtes triste de quitter le lycée. Ou alors c'est juste moi qui est bizarre. Ceux qui sont en première ou en seconde, profitez de vos années prochaines. Profitez bien parce que après c'est bon, c'est la fin. Vous allez être adulte, vous allez pas pouvoir faire les mêmes conneries qu'avant. Et ceux qui sont en collège, bah profitez de vos 3 années du lycée. Vous avez trop de chance, il vous reste encore 3 années au lycée avant d'être adulte. C'est trop bien. Moi c'est bon là, je suis vieille. Sur ce, bisous, au revoir.